Par ailleurs, il doit avoir soit une médaille, soit une puce pour pouvoir être tracé en permanence. Est-ce que ce serait le cas avec votre permis ? Il faut absolument que vos auditeurs sachent que l'identification de leur animal de compagnie est obligatoire. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Un animal qui n'est pas identifié par puce électronique ou par un tatouage, c'est passible d'une contravention de quatrième classe, 750 euros, chien et chat. Ah oui. Donc voilà, c'est vraiment important que vos auditeurs le sachent parfaitement. C'est déjà le cas. Et la stérilisation ? On ne peut pas l'imposer, la stérilisation. C'est quelque chose qui est trop compliqué à imposer, trop coûteux pour beaucoup de gens. J'invite tous les gens qui ne sont pas destinés à avoir des chiots et des chatons à stériliser leur animal. C'est d'ailleurs derrière un vrai gain en santé. Il y a moins de tumeurs mammaires chez les chiennes, chez les chattes. Il y a moins de problèmes gynécologiques chez les chiennes. Donc j'invite vraiment à stériliser pour des raisons de santé. Mais on ne peut pas rendre ça obligatoire, ça serait trop coûteux et trop compliqué pour beaucoup de propriétaires.